Monsieur le ministre, chers collègues, ce budget de la mission extérieure de la France est une bonne nouvelle à la fois pour le rayonnement de notre pays dans le monde et pour les Français établis hors de France. Le programme 151 Français à l'étranger et affaires consulaires en particulier montre une vraie ambition pour le service public offert aux Français de l'étranger. Sur le plan purement consulaire, je suis ravie de voir que certaines de nos revendications de longue date vont enfin connaître dans les semaines qui viennent leur aboutissement. Concernant les services de proximité des consulats, nous avons récemment eu l'annonce de l'arrivée des stations mobiles qui permettront l'organisation de tournées consulaires, notamment pour le recueil des données biométriques. Mais cela ne règle pas tout. Encore faut-il que les postes aient les moyens d'organiser les tournées. Ce PLF me rassure sur ce point. Parmi les objectifs de la DFAE, on trouve aussi la dématérialisation des procédures et son extension. La mise en place du site monconsulat.fr par le précédent gouvernement était, il faut le reconnaître, une excellente chose, mais ses fonctionnalités restent encore trop limitées. Je suis sûre qu'avec le ministère des Affaires étrangères, nous pourrons renforcer encore cette dématérialisation. En proposant de réduire l'enveloppe de fonctionnement de la valise diplomatique, l'UMP montre son ignorance des fonctionnements des consulats, car cette mesure ne ferait que créer des délais supplémentaires pour les usagers, en particulier pour la délivrance des passeports. Cet amendement est donc incohérent.